Alors, donc là, on est dans les trois dernières séances qui sont des séances de, on va dire, de ciné-club, si on peut dire ça comme ça, parce qu'en fait, on ne voit pas des films entiers, donc ça n'a rien à voir avec un vrai, véritable ciné-club. On prend appui sur quelques scènes que l'on voit à l'écran de manière quand même un petit peu lacunaire, un peu incertaine, donc les conditions ne sont pas du tout idéales, elles sont même difficiles parfois. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on est en train de remonter dans le temps. Les premiers films qu'on avait vus tout à fait au début du cycle étaient des films très récents. Et encore, la semaine dernière, on a fait avec Woody Allen justement le dernier film de Woody Allen, qui est encore très récent, même si on peut prendre appui dans l'œuvre de Woody Allen sur des films plus anciens. Et donc là, carrément, on va remonter d'une, je ne sais pas combien, je dirais, presque, oui, d'une cinquantaine d'années pratiquement, presque 50 ans en arrière. Et c'est intéressant parce qu'il y a peut-être justement des. Si on avait. Ce n'est pas du tout le propos de ce parcours, mais on pourrait. Ce serait intéressant de voir que les questions se déplacent, les thèmes se déplacent, il y a des constantes et des déplacements, des variations. Ce serait intéressant de pointer les variations et les constantes. Non, pas du tout pour dire que les seules choses importantes sont les constantes, mais bah ouais, pour mesurer aussi qu'il y a même presque que les mêmes mots ne véhiculent pas forcément exactement les mêmes vécus. Et c'est un point qui est important par rapport à nos questions, et puisque justement, dans la conversation conjugale, lorsque les mêmes mots ne se rapportent pas aux mêmes expériences, ça peut évidemment à la fois être l'occasion de la conversation, mais ça peut être aussi l'occasion de la rupture de la conversation ou de son affaissement. Alors donc, je dis on remonte. La prochaine fois, on ira encore plus en arrière dans les films hollywoodiens des années 30 et 40. Mais cette fois-ci, donc, on s'arrête sur Bergman. J'aurais pu prendre encore d'autres films, mais voilà, je n'ai pris que Bergman. Je pense que pour 2 heures, il y a déjà beaucoup de matière. Un peu comme Woody Allen peut à lui seul il pourrait occuper un cycle entier. Bergman, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a été travaillé par cette question. Il a d'ailleurs lui-même eu une vie très difficultueuse sur ce sujet-là. Il a beaucoup, il s'est marié, il a rompu, il a eu des. C'est une vie, oui, certainement différente de celle de Woody Allen, mais avec des. Ressemblance. Alors, il est né en 1918, il est mort en 2007, donc vous voyez, il a quand même une assez longue vie. C'est un fils de pasteur, donc c'est ça, c'est pas rien dans notre, par rapport à notre sujet. Et je sais pas, j'ai pas spécialement mis le focus sur ce point-là, même si certainement dans sa filmographie, c'est important. Alors, il a une filmographie gigantesque, hein, je vais pas du tout évoquer toutes ses œuvres. Il y en a une. Par exemple, on pourrait croire, quand on voit la scène de la vie conjugale, que c'est son grand sujet. C'est vrai qu'il y a, je sais pas, il y a Monica, il y a L'œil du diable, Une passion. Enfin, il y aurait toute une série de films qui sont tous des films sur la vie conjugale. On peut même dire que tous ces films ont un rapport avec cette question-là. Mais dans certains films, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est la vie de famille. Fanny et Alexandre, hein, deux sœurs avec un père tyrannique. Peut-être que d'ailleurs c'est un peu autobiographique, ça évoque quelque chose. Cri et chuchotement, hein, c'est plutôt un huis clos de trois personnes à côté d'une qui accompagne une mourante. Donc vous voyez, ça n'a pas du tout une question conjugale. C'est qu'est-ce qu'on fait face à la mort, comment ça nous met dans des situations diverses. Persona, c'est un film, je dirais presque encore plus, mais pas métaphysique, mais psychologique, métaphysique, sur la différence entre le moi profond et les personnages sociaux. Hein, et ça, c'est un thème qu'on va voir dans les scènes de la vie conjugale. C'est quoi le moi intérieur? C'est quoi la sincérité? Alors ça, là, peut-être qu'on a affaire à véritablement une enquête protestante. C'est-à-dire, qui suis-je devant Dieu? Qui suis-je si j'étais entièrement transparent comme je devrais être, en quelque sorte comme un tout nu devant Dieu. Hein, c'est la grande question de Kierkegaard. Hein, qui suis-je devant Dieu? Si je dois peu à peu enlever tous mes masques, tous mes pseudonymes, jusqu'à être en quelque sorte vraiment tout nu, entièrement transparent devant Dieu. Et justement, ce travail, je dirais, de catharsis, mais de purification, mais on pourrait dire aussi
de tomber des masques, et il y a encore un masque derrière, et puis on tombe encore un masque, et il y a encore un masque derrière. Cette quête de la sincérité qui peut avoir une dimension de folie, il peut avoir une dimension, je dirais, moi, je me rappelle très bien quand je suis arrivé jeune étudiant en philosophie, je logeais au CUP, au centre universitaire protestant, à la rue Perrier, et je me rappelle, je ne dirais pas son nom, un étudiant qui voulait être pasteur, et premier soir, il m'invite dans sa chambre, on était deux ou trois, et psychodrame, et tout de suite, il dit, il faut que nous tombions tous les masques. Alors, ça m'a tout de suite énervé. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi l'ambiance dans cette faculté de théologie où il faut tout de suite enlever tous les masques? C'est quoi? Ça veut dire quoi, enlever tous les masques? Hein, c'est des moments comme ça dans la vie où on s'en souvient parce que ça nous. Mais c'est vraiment typique de l'époque. C'est l'époque où on pense que, voilà, à la fois tout est fête, tout est jeu, tout est ludique. Oui, mais alors, où est la vérité? Donc, il y a une enquête, je dirais, qui est respectable, mais qui, je dis, peut être vraiment nihiliste et destructrice. Hein. Donc ça, c'est le thème de Persona. Il y a bien sûr le thème, il y a le septième sceau, qui est, alors, le septième sceau, c'est vraiment la mort, hein, c'est la mort qui accompagne et qui joue aux échecs avec un des personnages principaux. Les communiants, les fraises sauvages, enfin, on pourrait multiplier les films. Il en a écrit des, je ne sais pas combien, j'ai oublié, j'aurais dû compter, je crois, 70, 80 films. Il a une production gigantesque. Je voudrais dire aussi, avant de rentrer un peu plus, me rapprocher un peu davantage de mon sujet, que Bergman a tout le temps, en même temps qu'il était réalisateur, il était en même temps un directeur de théâtre. Il a monté il dirigeait des théâtres successivement. Il a monté Strindberg beaucoup, Shakespeare, Camus, Molière beaucoup, Lorca, Ibsen. Il a fait aussi un film sur la flûte enchantée de Mozart, par exemple. Oui, bon, il a une œuvre assez. Voilà, il s'est en même temps tout le temps nourri, je dirais, des grands classiques du théâtre. C'est un point important, je pense, aussi dans son génie, dans son savoir-faire. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, peut-être, c'est que il me semble que vraiment, alors, je remets un petit peu en avant des excuses. Je ne suis pas du tout un spécialiste du cinéma. Pour animer ce genre de thème, je suis sûr qu'il y aurait parmi vous des gens beaucoup plus pointus que moi. Je viens avec mes petites questions à moi, hein, qui sont vraiment les mêmes. Alors, je dirais, voilà, ce que je voulais dire d'abord, c'est que il me semble que c'est un cinéaste qui a une. D'abord, il a une caméra pour les visages qui est absolument prodigieuse. Il a une passion des visages qui est absolument, pour moi, assez unique dans l'histoire du cinéma. On va voir, même en couleur, en noir et blanc, c'est absolument prodigieux, mais en couleur aussi. Bon. Il est extrêmement rigoureux mais incroyablement attentionné. Il y a un soin du visage. Bon. Il y a aussi un soin pris, une attention, je dirais une tendresse, un soin pour les personnages féminins, qui est très particulier. Je ne sais pas si vous avez vu L'attente des femmes, qui est un film de 1952, où il y a entre autres une jeune femme, ses quatre sœurs qui attendent leur mari, leur copain, etc., qui racontent leurs désillusions, mais aussi leur joie. Enfin, elles se racontent chacune. Le film est divisé on peut dire, en quatre films qui, chacun d'eux, raconte une histoire, on va dire. Et l'une de ces histoires, c'est justement une histoire d'amour entre une de ses sœurs. Sœurs, c'est pas forcément des sœurs, j'y pense. C'est aussi les femmes des hommes qui viennent, qu'on attend. C'est l'été, on est en vacances, on est dans une île de la Baltique, là, en Suède, et ils attendent les conjoints. Bon. Et donc, il y en a une d'elles qui est à Paris et qui a eu une amourette avec un garçon. Et puis le garçon, il le prend pas très au sérieux, mais elle est enceinte et puis elle lui dit même pas. Finalement, ils vont se retrouver. Hein, bon, elle lui dit même pas. Et elle va accoucher toute seule. Et il y a une le récit de cet accouchement, il est absolument fabuleux, quoi. Il est absolument bouleversant. C'est-à-dire voir cet accouchement là dans l'attente des femmes, c'est absolument extraordinaire. Bon, il y a aussi le personnage de Monica. Hein, il était avec Monica, 1953. C'est un film absolument prodigieux. Il y a un film qui s'appelle, est-ce que je l'ai ici? Qui s'appelle L'œil du diable. Vous connaissez L'œil du diable? L'œil du diable, c'est un film de 1960
qui part d'un proverbe. Parfois, il s'appuie pas mal sur des proverbes comme ça, et qui dit une femme fidèle, c'est un orgelet dans l'œil du diable. Et alors, donc tout le film est construit sur cette intrigue autour de ce proverbe, c'est-à-dire comment Satan va avoir un orgelet, il va dire, oh là là, mais ça veut dire qu'il y a quelque part une femme fidèle. Et alors, il envoie Don Juan, il le ressuscite pour l'envoyer pour séduire cette femme. Et alors, c'est l'histoire je dirais, de l'échec de Don Juan, qui est un échec parce que justement, il a cru triompher. Enfin, je vous raconte pas le film, c'est un film magnifique. 1960, donc voilà. Une passion, 1969. Enfin, bon, il y a des histoires. Donc, la question de l'œil du diable, c'est une histoire presque aussi de séduction. Hein, c'est pas une question de couple, et c'est pas une question là de femme. Mais enfin, la caméra est vraiment braquée sur ces visages féminins. Alors maintenant, j'en viens un peu plus aux scènes de la vie conjugale. Je terminerai tout à fait à la fin par un tout autre film. J'en viens aux scènes de la vie conjugale. Qui a eu immédiatement, et c'est un peu à la surprise de Bergman, un grand succès, à tel point que ce film très très long, qu'il avait constitué en plusieurs épisodes, il a tout de suite remonté pour faire une série télévisée. Je ne dis pas du tout que c'est des premières séries télévisées, mais c'est quand même un des premiers grands cinéastes qui s'intéresse à quelque chose comme une série. Donc là, dans la version finale, il y a 6 épisodes. En gros de 50 minutes chacune, 49 minutes à peu près en général. Bon. Et on dit que ça a pas mal influencé, enfin, le réalisateur de Dallas, je ne sais pas qui c'est, disait que c'était quelque chose qui avait été vraiment très important pour lui. Vous voyez, Dallas, je ne vois pas tellement le rapport entre Dallas et les scènes de la vie conjugale, mais enfin, bon, pourquoi pas. Mais je ne connais pas assez Dallas, donc il ne faut pas du tout que je... Et alors, bon, voilà, c'est un film dans lequel on s'est vu représenter. Je dirais les inquiétudes, les incertitudes dans lesquelles était en train de sombrer le couple moderne au tournant des années 70. Et là, il y a vraiment un phénomène de génération. On pourrait dire que, en gros, les années 50-60, il y a tout un modèle qui est le modèle hollywoodien. Et puis, soudain, il y a une rupture, il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Et Bergman capte cet infléchissement, cette rupture, et c'est ça qu'il va raconter. Donc c'est un film en 1973 hein, qui raconte donc je disais en 6 chapitres qui porte sur une vingtaine d'années on va dire de vie conjugale, de vie heureuse, de disputes, de séparation et de retour, etc. Bon. En fait les deux personnages principaux c'est donc Marianne et Johan. Marianne jouée par Liv Ullmann, quelqu'un qui elle-même a été un temps la femme de Bergman. Et d'ailleurs, ce film a été tourné juste après leur séparation. Donc, déjà, c'est quelque chose d'étonnant. Et puis, Johan est joué par quelqu'un qui s'appelle Erland Josephson. Je ne connais pas davantage. Voilà. On voit ils ont 2 enfants. On les voit dans la première scène qui dure, je dirais, 1 minute. Sur les 4 heures, je sais pas combien que dure le film, on les voit dans la première minute, ces deux petites filles, et après on les voit plus du tout. On en parle un peu de temps en temps, mais on les voit plus du tout. Bon. Les autres amants ou conjoints, quand après ils se remarient, etc., on les voit jamais. On ne sait pas du tout qui c'est. Par exemple, on voit l'un qui montre une photo à l'autre. Oui, donne-moi une photo de Paola, à quoi est-ce qu'elle ressemble? On voit qu'il montre une photo, mais nous on voit pas la photo. Oui, bon, ça c'est très intéressant aussi. Il y a que les. Le film est centré sur ce couple-là. Les autres sont mis de côté. Alors, moi, j'ai retenu en fait 11 séquences que je vais vous montrer autour de thèmes qui prêtent à discussion. Et je me dis que quand même, n'hésitez, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une très grosse question ou que vous savez que vous ne pouvez pas contenir, je ne sais pas. Mais sinon, essayez de noter vos questions parce que je préférais que les questions apparaissent à la fin. Je vais déplier un certain nombre de thèmes qu'on va mettre sur la table comme ça, et vous relèverez les thèmes qui vous intéressent ou d'autres thèmes que vous avez vus dans ces séquences que moi que je n'aurais pas pointé. D'accord? Alors la première, alors le problème c'est qu'il va falloir que je vous mette ça à l'écran. Les six
scènes. Donc, il y a six chapitres. Hein. Les six scènes sont les suivantes. La première s'intitule Innocence et panique. On bascule de l'innocence à la panique. La deuxième scène s'intitule L'art de cacher la poussière sous les meubles. L'art de cacher la poussière sous les meubles. La troisième s'appelle Paola. La quatrième s'appelle La vallée des larmes. La cinquième s'appelle Les analphabètes. Et la sixième s'appelle En pleine nuit dans une maison obscure quelque part sur Terre. En pleine nuit dans une maison obscure quelque part sur Terre. Si vous voulez le un énoncé qui viendra dans le. Ça correspond presque chaque fois à des énoncés qui viennent dans le dialogue, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc Alors, là, ils sont les deux, le couple, notre couple, Johan et Marianne, ils sont devant une journaliste qui est en fait une vieille amie à elle, qui les prend comme un couple modèle et qui est en train de faire un entretien avec eux. Apparemment, en effet, je vois qu'ils ont perdu un enfant, je ne pourrais pas tout vous raconter. Lui est professeur à l'école polytechnique, il est très content de lui. Elle est avocate, elle a l'air beaucoup plus timide. Elle est avocate spécialisée dans le divorce, d'ailleurs. Ils sont donc mariés, ils ont deux enfants, ils sont issus de la bonne bourgeoisie de Stockholm. Alors, je vais vous mettre la scène que je voulais vous montrer. Voilà, ça c'est donc une première scène. Sur l'amour, sur la fidélité, sur le bonheur, il y a beaucoup d'éléments, hein, voilà, je les formule comme ça, mais en gros, c'est dans cet esprit-là qu'elle est en couple avec Johan. Elle décrit en quelques, dans toutes ces quelques touches-là qu'on la voit, de manière d'ailleurs très émouvante, et donc vous voyez comment la caméra est très proche du visage, comment la caméra la montre chacune de ses hésitations, de ses frémissements, etc. Bon. Alors maintenant, la deuxième scène que je veux vous montrer, c'est une scène absolument terrible. Ils sont amis, Johan et Marianne, ils sont amis d'un couple qui est devenu un couple infernal. Et donc, qu'ils ont invité, donc, alors ils ont, non, ils les ont invités, je crois, c'est ça, ils les ont invités. Voilà, je vais monter cette scène qui est une scène terrible. Et on peut se dire, jamais ça va leur arriver, quoi. Voilà, bon, on va pas aller plus loin dans cette scène qui est déjà longue, hein, plus de 4 minutes. Cette scène infernale, c'est vraiment le couple infernal. Et voilà, donc en gros, on est inquiet parce que comme ça vient assez vite au début du film, on se dit, voilà, est-ce que c'est vers ça qu'ils vont aller? Et on est inquiet, on n'est pas spécialement. Mais moi, ce genre de scène, c'est des scènes terrifiantes, hein, c'est des scènes vraiment de terreur, c'est des scènes d'enfer. Voilà, alors maintenant on va regarder, je suis désolé, il y a tout le temps des petits machins qui apparaissent, je sais pas si vous les voyez en haut à droite là, je sais pas comment arrêter ça parce qu'il faut que je laisse la connexion. Alors maintenant il y a une autre scène qui est magnifique, enfin en termes de présentation de ce que c'est qu'un couple qui commence à se, on peut dire à avoir un décalage, c'est au sens presque de la conversation miltonienne. Il y a un décalage qui s'introduit et c'est à l'occasion du fait qu'elle est enceinte. Vous allez voir ça, c'est un moment très important. Voilà. Et donc là, c'était la troisième petite séquence que je gardais du premier chapitre, Innocence et panique. Parce que il y a panique parce que on voit bien que lui, il n'était pas du tout enthousiaste et donc on voit bien ce décalage et finalement, elle va décider d'avorter. Et la dernière scène, justement, elle est à la clinique, elle vient d'avorter, il vient lui rendre visite, essaye de la consoler et dès qu'il part, on la voit pleurer et c'est une scène très, très, très bouleversante. Voilà. Donc c'est là-dessus que se termine le premier chapitre. Le deuxième chapitre s'appelle L'art de cacher la poussière sous les meubles. Et je vais en retenir une seule séquence. Alors là, il est en train de faire tout un discours anti-féministe, on va dire, en disant voilà, maintenant vous êtes autonome, vous êtes émancipé, mais il faut aussi que vous portiez les responsabilités de votre émancipation et il faut que vous portiez réellement en même temps que vous n'ayez pas que
que les droits, il faut aussi que vous ayez les devoirs qui correspondent aux droits que vous êtes en train d'acquérir, en gros, pour le dire comme ça. Bon. Ce n'est pas antiféministe, hein, mais c'est un discours de masculin. Voilà. Donc ça, c'est un moment très important, je pense, par rapport à notre thème. C'est voilà, la question du désir et gérer du décalage du désir. Voilà, je pense que la conversation, là, ce qui est très très fort avec Bergman, c'est que dans les mots expriment tellement précisément, bon, on pourrait les reprendre par rapport à ce que je disais il y a 3 ou 4 séances de ce que dit Rousseau, hein, de ce décalage masculin-féminin dont il parle dans le 5e livre de l'Émile. On pourrait le faire des commentaires avec plein d'autres moyens. Mais je pense que là, en quelques minutes, voyons, en 3 minutes 40 à peu près, il y a énormément de choses qui sont dites comme précédemment. Et voilà, là, on a les deux grands sujets, on va dire, de décalage. Ben la grossesse, les enfants, le rapport, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pas un enfant, et est-ce que lui dit, mais c'est toi qui décides. Donc là, c'est lui qui a le discours féministe, entre guillemets, si on prend le discours féministe comme ce discours, c'est le choix de la femme et c'est tout, alors qu'elle, elle veut qu'il soit avec elle, et c'est ça qu'elle ne supporte pas. Donc voilà, ça complique bien sûr la question. Et puis là, avec le désir, pareil, on voit très bien s'introduire ce décalage. Alors maintenant, je vais passer au troisième film. Elle est en vacances dans leur maison de vacances, là aussi dans une presqu'île ou une île avec les deux filles. Je crois que c'est une presqu'île parce que on voit qu'il vient en voiture. Et lui, il est revenu alors qu'il devait pas revenir ce soir-là. Il devait rentrer le lendemain soir de son travail. Et il arrive et elle est toute contente qu'il soit là. Voilà. Et elle dit, mais en fait, voilà, parce qu'elle En fait, elle fait un régime et elle voit qu'il est en train de bien manger. Elle dit, mais ça me donne faim de te voir manger. Et pourquoi est-ce que moi, je ne mange pas non aussi? Voilà. Alors, donc, là, on bascule vraiment dans la deuxième partie de l'ensemble de ces chapitres avec l'annonce de cette séparation. Je voudrais peut-être pointer, donc, vous voyez bien, le grand, elle n'avait rien vu. Voilà. Et lui. Visiblement, ça faisait très longtemps qu'il préparait ça. On va y revenir tout à l'heure. Il y a une dispute dans le lit qui est importante parce que soudain, il éclate en reproche. Et après, il revient en disant, mais c'est injuste. Et cette scène-là, elle est importante aussi. Voilà, cette scène-là est importante parce que, bon, je ne vais pas pointer tous les thèmes. Il y a tellement de choses dans chaque énoncé, il va tellement vite d'ailleurs, et en même temps, ça semble très naturel. Hein. Ces scènes semblent vraiment. L'insistance sur les partir, 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 quoi. Ça, c'est vraiment un point très important. Et puis, alors, tous les reproches, et puis soudain, non, tout ça, c'est injuste. Enfin, ces va-et-vient, là, je les trouve aussi extrêmement, extrêmement parlant. Moi, je suis. Enfin, ce qui me semble très fort dans cette scène, là, dans ces scènes, c'est le sentiment d'une sorte de force diabolique au sens très propre du terme, une force de séparation de ce qui était uni et qui se déchire de l'intérieur, en quelque sorte. Et là, il y a quelque chose qui est extrêmement fortement représenté. Peut-être qu'il y a une révolte contre quelque chose qui se ressemble trop. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans comme un désir de dissemblance, de quelque chose d'énorme, quelque chose qui sorte de la norme, qui sorte de la ressemblance, qui sorte, oui, du même, de l'identique, on va dire, quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui sépare, en tout cas, quelque chose qui divise, mais qui divise le même, justement, qui divise pas des séparés, qui divise des identiques, des êtres qui semblaient ne faire qu'une seule chair, qui semblaient être tout le temps justement ensemble et parfaitement au diapason. Alors, dernière scène que je voulais montrer dans ce chapitre 3, qui s'intitule donc Paula. Paula qu'on ne voit pas, là il y a une scène avec une photo, on ne la voit pas. C'est lorsque un peu plus tard dans le film, même bien plus tard dans le film, elle téléphone après toute une nuit de combat, etc. Elle a téléphoné après son départ.
Elle va téléphoner à des amis. Elle essaie de le retenir. Elle s'humilie pour. Elle s'accroche à lui, puis lui, il s'en va. Et ils ont quand même passé la nuit ensemble, et même, je dirais, je crois d'ailleurs qu'ils ont fait l'amour. Oui, ils ont fait l'amour avec une sorte de passion très, très, très forte. J'arrête ici, donc c'est la dernière séquence de ce troisième chapitre que je voulais vous montrer parce que je crois que là, il met le doigt sur quelque chose de très important, c'est que dans ces moments plus que du décalage, de séparation totale, il y a justement tout ce qu'on croyait réel, soudain, apparaît comme un mensonge. Et en fait, les autres voyaient des choses que nous, on ne savait pas, enfin, on ne sait plus où est la réalité. Et donc là, elle est complètement perdue. Elle découvre que tout ce qui constituait sa réalité, qu'elle croyait partager avec des amis, en fait, n'était déjà plus réel depuis longtemps, en fait. Et donc, voilà, donc c'est tout le passé. C'est pas seulement le présent qui est touché, c'est aussi le temps passé. C'est un monde. C'est un monde entier qui s'effondre. Voilà. Donc ça, c'était en gros les grands épisodes on peut dire de la séparation. On va continuer. En fait, là, je réalise que je ne vais rien vous montrer dans ce chapitre-là. Parce que là, on est 8 mois plus tard. Paola est partie à Londres et il lui téléphone et il vient la voir. Et il découvre qu'elle est vulnérable, elle est fragile, mais elle est en fait, au fond, beaucoup plus épanouie. Elle est en train de retrouver une vie, elle s'est remise et elle cherche. Vous voyez, sa ligne un peu depuis le début, c'est quand même la recherche d'une sorte de sincérité. Et donc, voilà, elle est d'une certaine manière restée elle-même et elle prend un appui sur elle-même complètement. Et donc, en fait, elle est très, très séduisante parce qu'en même temps fragile et forte de cette manière-là, si vous voulez. Donc, elle a quelque chose de. Alors, ils dînent ensemble. Il lui raconte qu'il a une invitation dans une grande université américaine où il va avoir un très bon job. D'une certaine manière, il lui montre que déjà, il s'ennuie un petit peu avec Paula et que ça va pas très bien, que c'est pas si facile, qu'elle est très possessive, qu'elle est très jalouse. Il peut plus la voir, mais non seulement il peut plus la voir, mais il peut même plus voir les filles, leurs filles. Voilà. Ils vont, dans un moment donné, ils vont coucher ensemble. Mais au milieu de la nuit, ils couchent ensemble, ils se retrouvent, mais ils se retrouvent une sorte de grande perplexité. Et au milieu de la nuit, il s'en va, il la requitte, on va dire. Voilà. Donc là, c'est un chapitre, on peut dire, intermédiaire. On est très peu après la séparation, alors qu'après, ça va se produire, la scène suivante va être pratiquement 8 ans plus tard. Malheureusement, les acteurs n'ont pas énormément vieilli, donc on ne voit pas tellement que c'est 10 ans, 8 ans plus tard, ou je ne sais pas combien d'années plus tard, ou 4 ans, 5 ans plus tard, enfin, je ne sais pas, mais c'est pas mal plus tard. Et donc, ce chapitre-là, je vais le chercher. Il s'appelle Les Analphabètes. Vous avez vu qu'il parlait à un moment donné de quelqu'un qu'il traitait d'un analphabète du sentiment. Voilà, tout le chapitre là va porter comme nom les analphabètes. Et là, il s'agira d'eux-mêmes. C'est eux les analphabètes, comme il va dire, les analphabètes de l'affectif. Alors donc là, il se donne rendez-vous dans son bureau à lui pour signer les papiers du divorce. Elle a préparé avec son cabinet. Elle a tout préparé, elle amène tous les papiers pour signer. Elle est très à l'aise, lui est très grognon. J'ai pas du tout prévu de vous montrer cette scène, c'est pour vous mettre dans l'ambiance, parce que c'est vraiment un huis clos qui va durer donc 50 minutes comme ça. Donc ils vont passer du bureau vers le canapé, ils vont boire du cognac. Alors là, toute la soirée, ils vont boire une bouteille entière de cognac, même je crois un peu plus. Et tout le temps, il lui repropose du cognac, elle reboit du cognac, et lui, il s'en resserre des verres et des verres et des verres. Et donc, d'ailleurs, ça va mal se terminer, en partie à cause du cognac. Sur le canapé, encore une fois, elle le séduit. Vraiment, elle est séduite, c'est vraiment une scène de séduction. Et finalement, ils vont faire l'amour par terre, sur la moquette. Et en fait, à ce moment-là, on va découvrir peu à peu que lui, il veut pas signer. En fait, lui,
il veut pas signer les papiers tout de suite. Au début, il avait dit je vais signer tout de suite. Et puis là, il dit non, mais non, je suis pas sûr. Alors bon, finalement, il dit bon, écoute, parce qu'il pensait après avoir fait l'amour, signer les papiers, aller au restaurant, et puis voilà. Et puis l'histoire termine là comme ça. Tout va bien. C'est absurde, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'il imaginait la chose. Et en fait, soudain, ça marche pas du tout. Lui, il refuse de signer les papiers. Alors elle les met dans une enveloppe. Elle dit écoute, emmène-les, regarde tout ça avec Paola, réfléchissez bien. Mais du coup, elle veut pas du tout. Voilà, ils disputent quoi. Ils disputent. C'est intéressant parce que j'ai envie de dire, ils se disputent après l'amour. On pourrait imaginer qu'il y a une dispute qui se termine par l'amour. Là, c'est, on commence par faire l'amour et après on se dispute. Je crois que c'est intéressant comme syntaxe, si je puis dire, des événements. Ils se disputent au départ juste autour des enfants parce qu'elle lui montre qu'en fait, il s'en occupe absolument pas et que finalement, d'ailleurs, il est devenu complètement indifférent et que les filles, d'ailleurs, sont devenues complètement indifférentes à lui. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on a perdu? Alors, c'est là que je voulais vous montrer une scène qui est quand même assez forte. Il y a ce petit moment est vraiment important dans lequel il dit tout a une fin, tout se termine. Voilà. Et puis après, donc là, il fait le gros dur, si je peux dire. Bon. Et puis là, soudain, il y a cette phrase, on est des analphabètes tout ça, c'était des analphabètes de l'affectif. Là, c'est des analphabètes de l'esprit. Hein. Voilà. De l'âme, on pourrait dire, hein, de la psyché. Donc là, vraiment, on voit que c'est vraiment un grand thème récurrent chez Bergman, quoi, cette question de l'âme, de la psyché, puisque justement, c'est le grand thème de Persona, mais de beaucoup de ses films, en fait, au fond. Et alors, on va avoir une dispute, on va revenir, donc, vous voyez, 10 ans plus tard, ou je sais pas combien d'années plus tard, sur la question de leur sexualité, de leur rapport sexuel, de leurs anciens rapports sexuels, et de, en gros, comment les choses se sont cassées la figure là-dessus, à cause de ça. Voyez, donc, voilà, il y a beaucoup de choses dans cette dispute. Il y a cette émancipation, il y a ce discours de la femme, de Mariana, bien sûr, qui est quelque chose et qui vient après la séparation. La dispute, c'est intéressant de voir que la dispute, là, vient après la séparation. Il n'y a pas une dispute puis la séparation. Il y a d'abord une séparation qui s'est faite. On a vu, il y a eu une ou deux scènes de dispute, mais là, les grandes scènes de dispute viennent après la séparation. Et je dirais, elles viennent au moment de savoir est-ce que voilà, les papiers, le divorce est fait, il ne reste plus qu'à le signer, est-ce qu'on va déchirer le divorce ou pas? Et ça, c'est d'ailleurs, il y a un film, It's Girl Friday de Hawks, je crois, de la fin des années 40, qui commence comme ça, dans lequel justement il dit ils viennent de divorcer, et il se retourne vers elle en disant qu'est-ce que c'est que le divorce? Ce n'est qu'un papier devant le maire. Et en fait, il retourne la situation. Ce n'est pas le mariage qui n'est qu'un papier devant le maire, c'est le divorce qui n'est qu'un papier devant le maire. Ce n'est qu'un papier qu'on peut déchirer, le divorce, comme le mariage. Vous voyez, donc il y a une sorte de. En fait, le mariage et le divorce, comme je l'avais dit, hein, dans le cours que j'avais donné il y a 3-4 semaines, c'est sur le même site exactement. Donc là, c'est vraiment la question, est-ce qu'on va déchirer ou pas les papiers du divorce? Toute la soirée tourne autour de cette question-là, en fait, qui est sous-jacente à tout ce qu'ils font entre eux. C'est-à-dire, est-ce que réellement on veut se séparer ou pas, maintenant que le temps a passé, que etc. etc. Donc, c'est à ce moment-là que ressortent vraiment tous les reproches et toutes les difficultés et la difficulté à se retrouver. Et là, elle le dit clairement, elle n'a plus besoin de lui. Et lui, il le dit clairement, il a besoin d'elle. Il veut revenir. Il ne veut pas se séparer. Et alors, à ce moment-là, arrive la conversation sur le fait, et si on revenait, lui, il dit, ça serait mieux qu'avant, ça serait beaucoup mieux. Et elle dit, mais non, tout serait pareil. Voilà, je t'ai supplié de revenir, tu n'es pas revenu, maintenant je suis émancipé, c'est trop tard, je ne peux pas. Et lui, il dit, ben non, moi, je ne veux pas d'une nouvelle vie. Elle lui dit, mais tu vas avoir une nouvelle vie, c'est bien, etc. Et lui, il dit, je ne veux pas une nouvelle vie. Vous voyez, c'est des débats, des conversations extrêmement, extrêmement fortes, intenses. Et la dernière scène que je voulais vous montrer, c'est la seule scène de violence du film, parce que justement, il y a un moment donné où lui ne veut pas divorcer, et elle dit, bon, de toute façon, c'est trop tard, on est épuisé, j'appelle un taxi, on a trop bu,
Elle veut partir. Et donc, voilà, je vais vous montrer cette scène. Donc, le sixième chapitre s'intitule « En pleine nuit dans une maison obscure, quelque part sur Terre ». Ils vont se retrouver très clandestins. Ils sont mariés, tous les deux. Ils vont se retrouver dans une maison prêtée par des amis, sans qu'ils lui disent avec qui il est. Et en fait, très vite, on voit qu'elle est émue par lui. Et lui, il a raté pas mal de choses. Il est devenu très, très petit, très humble, très humilié par la vie. Et justement, on retrouve les thèmes du ben, on aurait dû être gros et heureux. On aurait dû. Voilà. Est-ce qu'on peut être transparent? Est-ce qu'on peut tout se raconter? En fait, bon, ils vont quand même se raconter beaucoup de choses, parce qu'ils vont se raconter chacun leur vie de couple, chacun de leur côté, et leur malheur et leur bonheur d'être. Voilà, chacun raconte son histoire. On va retrouver à un moment donné, ben, peut-être qu'il faut quand même que je la montre, cette petite scène, une petite conversation, parce que c'est un thème qui est récurrent à travers presque tous les chapitres, qui est le thème de la femme qui se refuse sexuellement. Et donc elle raconte que ça m'a. Enfin, moi, bon, je ne vais pas le montrer parce qu'il est déjà tard, mais en gros, elle raconte que son mari. S'il te plaît. En fait, son nouveau mari, avec qui le lien était d'abord au départ très très sexuel, en fait, quand elle fait ça, quand elle se retire, quand elle essaie, ce qui avait très bien marché d'une certaine manière, entre guillemets, bien marché avec Johan, ne marche pas du tout avec lui parce que lui, dès qu'elle se refuse, il va avec une autre femme. Donc ça marche pas du tout. Donc ça, ce jeu-là ne marche pas du tout. Et donc du coup, en fait, du coup, il n'y a pas cette conversation. Justement, c'est un point très intéressant parce que vous vous rappelez que c'était un des points importants de ce que soulignait Rousseau dans la conversation conjugale. Et c'était d'ailleurs un point sur lequel Claude Habib, dans son livre sur Rousseau, insistait beaucoup. Et puis, pendant la nuit, ils dorment ensemble, ils dorment, mais vraiment ils dorment, et soudain, elle a un cauchemar. Et on va voir cette dernière scène qui est une scène de cauchemar. Voilà, en gros, c'est sur la transparence. C'est une conversation sur la transparence. Elle sort de ce cauchemar qu'elle vient de faire. Elle s'est réveillée brutalement avec ce cauchemar. Bon, en fait, ils vont quand même rester comme ça toute la nuit. Ils vont aller sous les draps pour être l'un avec l'autre. Donc, c'est très important, il revient deux ou trois fois, ce restons comme ça, restons comme ça, qui est un peu les dernières paroles du film. Voilà, alors je ferme tout ça. Il est déjà 43, j'ai complètement raté mon timing. Voilà, je voulais juste, avant d'ouvrir les quelques minutes de débat qu'on pourra avoir autour des quelques petites lignes que j'ai soulevées, il y a une dernière ligne que je voudrais soulever. C'est le fait que dans ce film, c'est un film qui se termine, on est dans les années 70, et ça se termine par un couple qui, en quelque sorte, c'est déjà trop tard. C'est un couple qui s'isole du monde, enfin, qui ne peut trouver de bonheur que l'un des bras l'un de l'autre, en quelque sorte en se retirant je dirais, de l'empathie, mais aussi du combat dans le monde. Et ça, là, il y a quelque chose de très différent par rapport à. Je vais, voilà, le dernier film. Je voulais juste vous montrer la dernière scène d'un film, Ville portuaire, qui est un film de 1948. Et donc là, vous voyez, on est 25 ans avant, plutôt. C'est un film en noir et blanc. Ce film, dans lequel vous allez voir en fait, alors c'est l'histoire, c'est un docker, c'est très très, c'est vraiment beaucoup plus du cinéma de l'époque, on va dire en guillemets socialiste au sens cinéma réaliste. Donc c'est un docker, Goshta, et qui s'éprend d'une jeune prostituée qui est en butte on peut dire à la méchanceté de sa mère, et qui va essayer alors. Cette fille, elle est aussi solidaire de toutes ses amies. Entre autres, il y a une certaine Gertrude qui va se retrouver, qui est donc une prostituée, qui va se retrouver enceinte.
et qui va vouloir avorter. L'avortement est interdit dans la Suède de cette époque-là, et donc elle va mourir d'un avortement clandestin. Et donc il y a un mandat d'arrêt contre elle parce qu'elle a fait un contre-témoignage. Sa mère la recherche aussi pour la mettre dans une pension on peut dire un peu prisonnière. Lui aussi parce qu'il l'a aidé à fuir, lui aussi il est cherché. Et donc à la fin du film, tout à fait à la fin du film, passer le film, s'il veut bien se mettre en route. Alors, comment ça marche le truc? Ah oui, je suis dedans. À la fin du film, 35, il y a une scène extraordinaire dans laquelle il décide de... Parce que c'est une scène extrêmement poignante. À vous dire, là, je vais vous polluer la vision du film parce que c'est un film magnifique. Je vous montre juste la scène finale. Mais le message est... Voilà, là, il est au commissariat de police, elle est interrogée. Il décide de fuir. Il décide de partir. Il décide de partir. Il trouve un bateau dans lequel il peut partir. Et puis, il continue à parler. Voilà. Je voulais montrer cette dernière scène de Ville portuaire, donc 1948, dans laquelle on a ce mot très important, restons. Restons ensemble. Nous, on est des gens comme nous, on ne part pas, on reste, on ne se décourage pas, on reste. Et là, ce n'est pas un rester ensemble, je dirais, quelque part dans une maison loin du monde. On reste ensemble, on va affronter ce monde difficile, ce monde où l'avortement est interdit, ce monde où on est une fille poursuivie par une mère qui veut l'emprisonner, ce monde avec toutes les difficultés que le film vient de nous montrer. Voilà, et ça, je crois que là, il y a certainement une modification très importante je dirais dans la perspective hein, entre le message de Bergman, le message conjugal de Bergman en 1948 est un message de on reste ensemble, on va rester, on va affronter ce monde. Alors que à la fin des scènes de la vie conjugale, c'est devenu évidemment beaucoup plus fragile. Il y a une crise qui est passée par là. C'est une crise politique, mais c'est aussi une sorte de crise conjugale elle-même. Il y a une crise conjugale qui a été traversée par toutes les scènes que nous avons montrées. Voilà. Alors, excusez-moi, il est 19h50, j'ai honte. Je croyais que j'avais minuté que je n'avais en tout pour moins d'une heure de présentation de mes petites séquences. Je me suis vraiment largement planté. Donc, si vous avez des questions, des observations, des réactions, n'hésitez pas. Ce que je trouve intéressant dans Scène de la vie conjugale, on voit dans la scène finale tu l'as dit, on l'a pas vu dans l'extrait, mais qu'il est devenu petit et humilié. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'au début du film, pendant l'interview de la journaliste, quand ils se présentent tous les deux, lui, il est vraiment mais plein de lui. Ah. Et il est vraiment en position haute, c'est un universitaire, il réussit tout, il est complètement dans l'autosatisfaction. Et elle, pendant cette interview, pour le coup, elle est vraiment petite, elle est humble, elle se sous-estime même. Et finalement, à la fin, ça s'inverse. Et c'est comme s'il y avait un déséquilibre au départ qu'il fallait corriger. Alors on peut se demander, est-ce que s'ils s'étaient disputés quand ils étaient encore en couple, peut-être ils auraient pu corriger le déséquilibre sans rompre, je ne sais pas. Ah oui, il est puant au début, vraiment, il est imbu de sa personne, et il est épouvantable. Mais on peut dire qu'il y a une sorte de double éducation des adultes dans cette. Parce qu'il y a une éducation dans laquelle elle est éduquée au sens de. Vraiment, c'est une histoire d'émancipation, quoi. Elle, son histoire, c'est une histoire d'émancipation, mais une émancipation qui passe par des. Je ne sais pas comment dire, c'est une émancipation réussie. Sur plein de points qu'on pourrait reprendre, c'est pas une émancipation, comment dirais-je,
elle ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, si je peux dire, pour le dire comme ça. Elle est tout le temps, elle revient tout le temps. Et lui, c'est aussi une éducation d'adulte pour le rôle masculin. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va éduquer les hommes? Il va falloir éduquer les hommes. Et ce film, c'est vraiment aussi un film d'éducation des hommes. Ce qui arrive à cet homme, c'est vraiment une, il y a une sorte, en guillemets, de leçon qui lui est au long du film. Hein, c'est une histoire qui est intéressante aussi de ce côté-là. Donc, il y a cette double éducation, d'une certaine manière. Et alors, quand même, c'est quand même une éducation mutuelle. Ils ne sont plus mariés, ils ne sont plus en couple, et pourtant, c'est quand même leur conversation qui, en tout cas, dans le film, dans les 6 chapitres de ce film, c'est leur conversation qui est le, je dirais, le, qui est la trame de leur vraie vie, quoi. Même s'ils ne sont plus ensemble, ils peuvent ne pas être ensemble, et c'est pourtant cette conversation-là qui reste la conversation importante. Ça, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Et peut-être, d'ailleurs, c'est quelque chose d'un petit peu abusif, parce que je pense que dans la vie, il n'y a pas qu'une seule conversation qui est notre seule conversation. Je pense que dans la vie, on a besoin de, j'ai envie de dire, de toutes les conversations, finalement. Même si il y a des moments, et voilà, et là, c'est une scène très importante à la fin, où on rapporte à l'autre, on rapporte à quelqu'un d'autres conversations, si je peux dire. Il y a des moments où d'une certaine manière, la vie se rassemble. Mais ce n'est pas définitif et c'est pas. De la même manière qu'il y a cette petite humour à la fin, tiens, restons comme ça, et lui, là, non, je ne peux pas, là, j'ai la jambe qui est en train de d'ankylosée. Voilà, il est devenu humain, comme il disait dans le chapitre précédent. Oui, je trouve que ce film reflète tout à fait l'ambiance des années 70, où la femme, justement, au sortir d'un divorce, s'est émancipée. Et ce qui arrivait souvent, c'est que après le divorce, enfin, moi j'en parle de façon personnelle, il y avait une on s'est expliqué après le divorce, pourquoi a-t-on divorcé? Alors que peut-être maintenant on s'explique avant. À l'époque c'était ça. Et puis la femme étant devenue plus indépendante et plus sûre d'elle, il y a une sorte d'égalité entre l'homme et la femme. Et l'homme revient à un statut pas plus misérable, mais moins macho. Alors que la femme a pris un peu plus d'assurance et il y a un certain équilibre qui se fait entre les deux. Ce film est très, je trouve, est tout à fait caractéristique de ces années 70. Voilà. Alors peut-être qu'il faudrait se retourner vers les plus jeunes parmi nous pour savoir est-ce que c'est très décalé par rapport à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses très décalées? Est-ce que des choses comme ça, a envie de dire, on imagine que ça pourrait toujours être vécu comme ça, mais voilà, peut-être que il faudrait regarder dans le détail. C'est vrai que les films ne montrent pas Chambre 312, je crois que c'était ça le nom du film, montrer autre chose. Même si, quelque part, c'est aussi l'histoire d'un couple qui croit se séparer, qui finalement se revient ensemble. Il y a quand même, en gros, cette histoire qui serait, on pourrait dire, la trame serait la même. Un couple qui est ensemble, un grand trouble, des séparations, des éloignements, etc. Et finalement, ils se retrouvent, mais de manière beaucoup plus incertaine, fragile, provisoire. Plus rien n'est à l'abri du sort, tout est vulnérable, etc. Ça, c'est, je dirais, on peut dire une séquence qu'on peut dire un peu commune, c'est une trame commune. Mais après, la manière de le raconter est vraiment sans doute différente. Bon, bien sûr, il y a Bergman. Il y a Bergman, sa sensibilité propre, ses acteurs, sa caméra, etc. Mais ce que vous dites, l'explication après le divorce, c'est très intéressant, c'est vrai. Il faut qu'il y ait un minimum de séparation, ou non, il faut qu'il y ait un minimum de distance pour qu'il y ait conversation. Ça, c'est un point très important. Je me rappelle, c'est une chose que je cite souvent, ma petite fille, quand elle avait 7 ou 8 ans, un jour, m'avait dit, éloigne-toi que je te parle. Il fallait un peu de distance pour qu'il puisse y avoir conversation. Il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire
Enfin bon, moi je trouve, moi je l'ai trouvé absolument odieux dès le début, mais bon, effectivement, il s'humanise un petit peu à la fin. Mais heureusement que j'ai jamais été cet homme-là. Enfin bon, je pense que ça c'est vrai. Mais en même temps, je pense que ça n'a pas vieilli. Hein, ça existe toujours ce genre de choses. Mais par contre, il y a une chose qui m'a frappé. Moi, à mon avis, ça aurait jamais pu tenir. Enfin, c'est là que je trouve que c'est très pessimiste. C'est que il réalise peut-être à la fin, mais même pas. J'ai trouvé ça symptomatique quand ils parlent de leur performance. Ils réalisent effectivement que le sexe est très important, mais à aucun moment on a l'impression qu'ils disent que le plus important, c'est peut-être de savoir quel est le plaisir de l'autre. Au-delà de la performance, ils sont tout. Enfin, je ne sais pas, ou alors c'est une vision très protestante des choses, mais je trouve qu'ils sont très dans les œuvres et pas tout à fait dans la grâce. Je sais pas si on peut. Non, moi j'ai pas tellement senti ce côté performance que tu décris, mais oui, disons une grande. Non, mais ils ne mentionnent pas le fait qu'ils ne sont pas dans la recherche du plaisir de l'autre Oui, avant tout. c'est vrai. D'ailleurs, lui, il qualifie son amour pour elle, dans la scène finale, d'un amour égoïste. Il est lucide, il est honnête à la fin. Il dit, je ne suis, en gros, je ne suis plus capable, que, enfin, je reconnais que je ne suis capable que de ça. Il faut laisser le film à l'époque où il a été tourné. C'est toujours. Film que l'on voit 50 ans après, il y a toujours un décalage. La société a évolué, nous-mêmes avons évolué. On ne parle plus des choses comme on en parlait. Il faut toujours situer le film dans son époque. Oui, c'est vrai, mais il me semble que c'était une époque où la question posée par Christophe, la question du plaisir de l'autre, ce n'était pas une question absente, hein, je ne pense pas. C'est vrai que une manière de formuler les choses, je ne sais pas. Ce n'était pas absent, mais on commençait à parler de certaines choses, de l'avortement, du plaisir féminin, on commençait à en parler, mais on est allé peut-être pas ça encore sur la place publique, il me semble, mais c'est loin. Peut-être même simplement que le mot plaisir n'était pas si important que ça. Ça, c'est possible. Ça, c'est très possible. Oui. En général, on ne pensait pas les choses tellement en termes de plaisir. Comme ça. Là, il y a peut-être un. Je pense qu'au Moyen Âge, on n'en pensait plus. Hein. Quand on regarde l'amour courtois, c'est une notion qui est beaucoup plus là. Hein. Donc, je Oui, pense que c'est des va-et-vient, tout ça. ouais. Oui, Non, mais ce que je veux bien dire, c'est sûr. que la libération sexuelle ne cherche pas le plaisir. Elle cherche autre chose, si vous voulez, je pense. C'est une époque qui vise autre chose. Qui vise autre chose. Le plaisir, c'est peut-être ce qui va apparaître après cette dernière scène où on a renoncé à changer le monde, on a renoncé à révolutionner, on a renoncé. Et donc, ce qui va nous rester, c'est le plaisir. Alors, à partir du moment où on est dans l'égoïsme, alors. Comment est-ce qu'on va penser l'égoïsme à deux? Comment est-ce qu'on va penser le plaisir de l'autre? Et ça, c'est peut-être la même problématique, en fait, que cette problématique-là. On pourrait aussi dire ça, si vous voulez. Voilà. Alors, bon, il faut qu'on arrête. Hein. Je vois qu'il est déjà 20h02. Moi, je trouve une autre chose que je trouve très importante dans ce film, c'est qu'il n'y a pas la. Bon, il y a le désir. C'est sûr, il y a toutes ces histoires du désir et des jeux et des décalages du désir. Et il y a l'image du bonheur, justement, gros, heureux, etc., ou pas, est-ce que c'est dans la. Voilà. Mais il y a aussi la question des enfants, et sous la figure du moment où elle est enceinte, où elle avorte, etc. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, c'est un point très important que ce film. Et à la fin, dans le film final, dans le cauchemar final, ça revient. Enfin, il y a les filles qui reviennent, etc. Je veux dire, ce n'est pas un film uniquement sur. On ne sépare pas le sexe
des sentiments et les sentiments du fait qu'il peut, ça, là-dedans, il peut y avoir des enfants qui naissent et que ça pose des, la question, est-ce qu'on le fait ensemble, pas ensemble, etc. Est-ce que tu es avec moi ou pas, etc. Est-ce que, donc voilà, je pense que là, de ce point de vue-là, c'est un film qui est là aussi, qui est assez complet, qui est assez complexe. Voilà, ben écoutez, on va peut-être arrêter là pour cette fois. Ce qui m'embête, c'est que je vois, quand je vois ce qui s'est passé là pour cette séance, je me dis que la prochaine séance, je vais avoir beaucoup de mal parce que je pensais vous présenter plusieurs films de ce que Stanley Cavell appelle les comédies du remariage. Je vous montrerai peut-être une scène fameuse de un ou deux de ces films voilà, pour ne pas, pour laisser quand même du temps à la. Plus de temps pour la discussion. Voilà, j'espère quand même que cette Merci. séance a été intéressante pour vous. Ah oui, Ah oui, oui. merci, oui, très Au intéressant. revoir. Merci, Merci. au revoir.